Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente l'application Barrel, donc une application qui permet de mettre de l'effet 3D en changeant de page. Donc vous pouvez voir là un effet qui n'est pas celui de d'habitude. Je vous le montre avec plus d'icônes. Hop là, donc vous pouvez voir que ça représente des ronds. Donc pour le régler, bah, il suffit d'aller dans les réglages. On rentre dans les réglages, on va aller dans la section des tweaks. La section des trucs qui est un peu plus bas, et là on peut voir Barrel juste ici. On clique dessus, je vais rapprocher un peu. Donc là on clique sur ça, et on peut voir toutes les effets qu'on peut mettre. Donc on peut mettre par exemple celui-là. Donc là vous allez voir, ça fait un effet de cube en fait. On peut mettre quoi d'autre? On peut mettre, il y a comme pas mal, il y a celui-là, j'ai bien aimé moi. Hop là, donc ça fait une espèce d'effet de zoom. Donc puis il y en a d'autres, vous pourrez les tester vous-même quand vous aurez l'application. Donc l'application est payante sur le Cydia Store, mais si vous ajoutez ma source, vous aurez la possibilité de l'avoir gratuitement. Donc il faut aller dans Cydia. On va dans Gérer, Modifier, Ajouter. Là, vous aurez le lien de ma source qu'il faudra écrire. Voilà, une fois que c'est fait, vous faites ajouter la source. Après, vous allez dans ma source et vous allez chercher l'application Barrel qui est ici. Vous cliquez dessus, vous faites installer l'application et après, c'est bon. Vous aurez pas d'icône sur le Springboard, ça va tout jouer dans les réglages. Et puis vous allez tester donc chaque effet jusqu'à ce que vous ayez trouvé celui qui vous plaît. Voilà, donc c'était pour vous montrer cette petite application. Si vous avez aimé ce tutoriel, cliquez sur j'aime en haut à gauche de la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Twitter. Donc les liens seront dans la description de la vidéo. Voilà, au revoir à tous.